Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer la coque arrière de votre Motorola Moto G première génération. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité très facile, qui vous demandera que 5 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous n'aurez besoin que d'une coque arrière pour Moto G et d'une spatule en nylon. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Moto G. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Allez, c'est parti! Pour retirer votre coque arrière, insérez la spatule et ses amos entre l'écran et la coque arrière pour la déclipser et la retirer. Et voilà, c'est déjà fini! La coque arrière de votre Moto G est désormais démontée. Vous pouvez installer la nouvelle coque arrière. Pour cela, installez bien soigneusement la nouvelle coque arrière sur le téléphone, en vous assurant que celle-ci soit bien clipsée. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous n'aurez besoin que d'une coque arrière pour Moto G et d'une spatule en nylon. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.